t'assois, te craque pas, te craque pas. Passe le fil, Vincent, passe le fil. Mes aventures sur le terrain ce soir, qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? J'ai pris un balle dans la tête, mais ça arrive, c'est assez embarrassant pour une bloqueuse. Normalement ça doit être pas normal, donc c'est pas bon, mais elle a bien attaqué la balle un peu fort. Ça va maintenant? Ouais, ça va. Ok. C'est bien. Allez, bonne fin de soirée. Merci. Proposer sa tête pour jouer au volet. Mais pourquoi on utilise la tête, mais dans une différente façon. Mais ouais, ça va. Bravo en tout cas. Merci. Merci tout le monde. Bonsoir. Tu te cèdes la parole? Bienvenue à ton père. Merci. Comment as-tu ressenti ce match? Bravo à ton père, bien joué. Pour nous aussi, bravo, mais dommage, c'est comme ça. Salut. Merci Laura. Je félicite déjà l'équipe de Quimper pour leur victoire. Même si je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux. 2 points de plus. Mais bon. Je les félicite et je leur souhaite très bonne continuation pour la suite du championnat. C'est vrai que pour nous les choses se compliquent de plus en plus. Je compte quand même sur mon équipe. C'est vrai que c'est un petit message que je leur envoie là. Je compte quand même sur mon équipe pour garder la tête haute et honorer un petit peu notre statut et faire le nécessaire jusqu'au bout. Après, on verra. Merci. Merci. Bon retour. En fait, pour qu'il soit validé, il faut qu'on ait une équipe en Ligue A et une équipe en N2. Voilà l'explication. Bienvenue, bravo.
Mais écoutez, moi je trouve que ça fait du bien de gagner. Voilà, ça fait du bien de gagner. On n'avait pas gagné depuis le 16 décembre. Renouer avec la victoire, c'est vraiment super important. Voilà, en plus, il y avait une très belle salle. La salle était pleine. Bien sûr, on est passé par toutes les émotions ce soir. Par le super haut, le super bas, la frayeur de Grace. Voilà. Donc, mais c'est ça le haut niveau. C'est pour ça qu'on se lève tous les jours. C'est pour ça que je fais ce métier, pour vivre des émotions. Alors là, on en a eu un paquet. Justement, au niveau des émotions, ça se gère comment, en fait, une chute de ce genre au niveau du mental, j'imagine que ça a son importance. Bien sûr. Après, si j'avais la solution, je le ferais tous les jours. Alors, on a Rodan qui nous donne un bon coup de main, la sophrologie, voilà, qui aide les filles, qui m'aide aussi et qui aide tout le monde. Donc voilà, on fait des respirations bas du ventre et puis on essaie de gérer ses émotions.